La commune de Koury est la troisième étape des débats publics organisés dans le cadre du projet de lutte contre les inégalités du genre et la capture du dividende démographique. Cette collectivité couvre 18 villages pour une population de 70 000 habitants, dont 51% de femmes. Parmi les temps forts de la rencontre, des échanges sur les résultats du projet, une table ronde sur les radios de proximité et l'engagement des chefs de village à poursuivre les activités du projet. L'implication des femmes dans le développement est aujourd'hui indispensable. Elles aident les hommes dans les dépenses de la famille ainsi que dans le développement local. De la présentation des résultats, il ressort que le niveau de scolarisation des filles est presque égal à celui des garçons dans la commune de Koury. Il reste cependant à améliorer l'accès des femmes aux ressources naturelles et leur participation à la vie publique. L'engagement des chefs de village est donc un espoir pour lever ces difficultés, selon les responsables du projet. On a senti vraiment un véritable engagement des chefs de village de la commune de Koury à poursuivre les actions du projet. Et vraiment, un de nos objectifs également était ça. On était dans la logique, comment on va pérenniser la présence des sentinelles, même au-delà du projet. Le projet pilote de lutte contre les inégalités du genre et la capture du dividende démographique est financé par l'ONG Voice et exécuté dans 4 communes du cercle de Yorosso. Il a été lancé en 2018 pour une durée de 2 ans.